One for the party, two for the shawty, three for the shake, yeah, bum, bum. C'est un film qui est déjà sorti depuis quelques jours et que voulait absolument ce film parce que j'ai eu un choc, parce que je suis tout à fait... j'adore les femmes. J'adore les femmes et quand elles sont libres, je les aime encore plus et qu'on leur permet d'être libres. Et je trouvais que tout ça, à travers ce film joyeux, coloré et aussi, bien sûr, poignant, je trouvais que c'était vraiment le film qu'on devait avoir. À quoi tu joues là, ami? Qui es-tu, ami? Vous savez où passe l'esprit du mal? Ce sont ces femmes dénudées. Pour le mariage de ton père. Regarde comme elle te va. Tu es une femme maintenant. Je suis heureux que vous soyez là et je demande à Maïmouna Doucouré de venir me rejoindre. C'est qu'on a casté 700 petites filles. C'est leur première expérience au cinéma. Elles sont là, elles sont 5. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous faites quoi là? Je vous demande d'accueillir Fatia Youssouf qui joue le rôle de Ami. En France depuis le 19 août dans les salles de cinéma, ça s'est extrêmement bien passé. On a une très belle presse. Oui, ce qui est important à dire, c'est que Miliane, c'est vraiment mon premier long métrage. Hein. C'est un film que j'ai fait avec mes tripes, inspiré de ma propre vie. Il y a une part autobiographique. Et c'est également le résultat d'un an et demi d'enquête très poussée. J'ai rencontré une centaine de petites filles entre 11 et 12 ans qui m'ont raconté leurs histoires. J'ai aussi enquêté sur les réseaux sociaux et j'étais très alarmée par ce phénomène d'hypersexualisation. Ce film est clairement un cri d'alarme. J'espère que chacun d'entre vous pourra être le temps d'une heure et demie une petite fille de 11 ans dans la société d'aujourd'hui. Merci.